Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous lire un album sous forme de BD qui s'intitule Le costume du Père Noël. Cet album a été écrit par David Kelly et Eric Elliott. C'est parti! Pôle Nord, 24 décembre au matin. Il n'est pas là. Ici non plus. Rien. Mais où l'ai-je mis? Peut-être que Bobo s'en rappelle. Bobo, sais-tu où est mon costume? Bien sûr. Exactement là où tu l'as laissé l'année dernière. Où ça? Suis-moi. Dans le panier à linge? Bravo! Il est tout sale. Il faut le laver tout de suite. Ce n'est pas possible. Et pourquoi? La machine à laver est en panne. Tu ne t'en souviens pas? Tu as dit, je le réparerai demain, il y a un an exactement. Mais j'ai été occupée toute l'année. Je dois penser à tout. Il faut trier le courrier, lire les lettres, choisir les jouets, c'est fatigant, crois-moi. Et puis contrôler la production. Surveiller les lutins qui n'en font qu'à leur tête. Je t'en prie, aide-moi. Impossible de laver le costume à la main. Il ne serait pas sec jusqu'à ce soir. Alors? Alors, promets de réparer la machine dès que tu auras fini ta tour. Je promets. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais te fabriquer un nouveau costume. Où as-tu appris à coudre? À la télé. Le vendredi, il y a une émission sur la couture. Ah bon? Oui, je ne la manque jamais. Ils m'ont même envoyé un diplôme. Waouh! Mais où vas-tu trouver le tissu? J'ai une idée. Mes rideaux? Ce sera parfait. Non! Il y en aura même un peu trop. D'abord, prendre les mesures. Longueur. Tour de tête. Tour de taille. Ne retiens pas ta respiration. On a pris du ventre, hein? Pendant que Bobo taille et coupe, le Père Noël prépare le traîneau. Contrôle les pattes des rennes, étudie le ciel, charge les paquets, ficelle le tout, fait manger les rennes, grignote à son tour un petit quelque chose. Deux heures plus tard, oh là là, déjà 8h30. Tu as bientôt fini? Presque. Voilà, c'est prêt. Tu peux l'essayer. Doucement. Alors, comment te sens-tu? C'est ça le costume? Il ne te plaît pas? Mais il est trop grand. Regarde les manches. Je ne suis pas styliste. C'est une catastrophe. Oh, arrête de râler. Il n'y a qu'à rouler les manches. Tu parles, il faudrait rouler tout le costume. Attends, essaye avec la ceinture. Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux. Avec le bonnet, ça sera parfait. Tu es sûre? Mais oui, allez. Et fais attention de ne pas le déchirer. N'oublie pas de réparer la machine en rentrant. Le Père Noël livre ses cadeaux en France, en Italie, au Japon, en Chine, en Égypte, en Australie, en Écosse, en Afrique, en Inde et au pôle Sud. Voilà, c'est le dernier. Il atterrit enfin à la maison. Alors, tout s'est bien passé? Impeccable! Pas trop de circulation? Non! Je vais me
coucher. Et la machine? Tu as promis de réparer la machine. Il est trop tard. J'ai sommeil. Mais tu avais promis. Oui, oui. Je la réparerai demain. Pôle Nord, 25 décembre.